you can't pick a better location, a better support, a better crowd. The views are magnificent. Last year I was on par to have a really great race and I ended up getting sick in the middle of the race, so I'm hoping for some redemption this year. On a les conditions idéales pour courir, on va se régaler. Donc après, c'est vrai qu'il y a une petite pression parce que c'est assez énorme le plateau. C'est une chance de pouvoir courir avec un plateau comme ça, donc c'est chouette. J'ai su qu'il y avait un rassemblement de coureurs à 7h là. Le chef des troupes, c'était un certain Jornet, il me semble. Donc on va le laisser faire, je crois, dehors. 4-3, Thibaut, alors. 4-3. 4 pour moi, 3 pour Kylian. No, we will see. Like, it always goes fast in the beginning here, so... Yeah, it's hard to not start fast. Yeah, now that I'm out here and everyone else is too, I'm very excited. 3, 2, 1, go! Ouais, c'est vraiment cool. L'année dernière, on a pu partir avec Kylian. Bon, il y avait moins de niveau, donc on était vraiment à côté de lui. Là, on serait un peu plus loin, mais ouais, c'est vraiment cool qu'ils ramènent du monde comme ça, qu'ils arrivent à ramener un aussi gros plateau en France. Encore plus gros qu'Azegama, et ça va être vraiment, vraiment, vraiment cool. En fait, on est parti un gros groupe, je pense qu'on était une dizaine, et on était un peu tous ensemble. Et à la descente, juste avant Valorcine, il y a des gars qui sont partis à bloc, il y avait Marc, il y avait Patrick Smith, ils sont vraiment partis fort. Very good at in the beginning of the race, and I felt like, oh, this is going to be a hard day for me, like, and then yeah, it was a lot of like up and down in this race. Like, I came back and then I felt horrible again. Et c'est vrai que la montée des Pauzettes, on s'est regroupé très vite. Et après, Aritz, il a mis un bon rythme, donc on est parti un peu tous les deux. Et puis, je suis bien monté les Pauzettes, je me sentais bien. Et la chance que j'ai eue, enfin la chance que j'ai aussi gérée, c'est de basculer avec Marc, qui est un gros descendeur. Et on a fait une descente de folie. C'est une des premières descentes où je prends du plaisir comme ça à être dans le jeu, quoi, puis à être vite. On a des grands moments de bonheur qui sont spéciaux là, justement ces passages techniques, et puis on sent la fluidité, et puis on sait qu'on est bien avec les éléments, c'est magique.
Et Marc, il y a un descendeur qui est superbe, donc il nous a rattrapé dans la descente, pareil Thibaut. Donc après, on a continué un peu tous les quatre pendant un moment et ça s'est joué vraiment sur la fin. Et sur la fin, c'est lui qui a géré un peu mieux la course avant, qui a pu être un peu plus d'avant. Ouais. Les crampes ou un coup de chaleur, ça venait direct, donc c'était vraiment la gestion de la chaleur aujourd'hui qui a joué. I was suffering so much, like it was too warm. Like in the last climb, in the last quarter of the race, I was freezing. Like I was starting to freeze, and like this is no good. The first like 20k I was definitely able to enjoy, but after that, it was the heat came and the competition was pretty hot. The last part here, like the more runnable parts, I think it's super nice and it's beautiful. So, but then I saw you get so tired, so you always just wanted to come to the finish line. But c'est vraiment ça qu'on aime, c'est se tirer la gueule, c'est souffrir, c'est on court pas. Le plaisir, je pense que tu le trouves dans plein de choses, mais c'est vrai que quand tu es dans le dur, quand il fait chaud, quand tu es à la limite des crampes, c'est pas le plaisir instantané, mais quand tu finis, c'est vraiment ces moments-là de bataille, de continuer quand c'est difficile, que tu gardes en positif. Mais bon, après, c'est un défi, et puis à la fin, ben, il faut serrer les dents, il faut aller au bout de soi, mais une fois passé la ligne d'arrivée, c'est que du bonheur. Bon, c'est la compétition, je pense qui me motive faire des courses comme ça, c'est qu'il y a un gros niveau, c'est qu'il y a vraiment des coureurs où en bataille, je pense que faire une course en sachant que tu vas déjà faire une place, c'est mieux de le faire tout seul, quoi.
I know